Cyril, over here. Farah. Bonjour, how are you? I'm fine, and you? I'm doing good. How's your fight week been so far? I know you always have so much media responsibilities and stuff when you fight here. Yeah, of course, but I can manage this. I'm okay with this. I'm okay. And your whole career has been go, go, go since you came into UFC. You came in only at 3-0. Do you look at this as a time to kind of step back a little, rebuild, or are you still kind of on the train? So, yes, all of my career I was in the rush since I started. I started the MMA in 2018, and already I did my first fight just after 6 months. And since this fight, I was already in the rush until here, until today. So, yes, I want to take my time now, but. I want to take my time at the gym, but I'm gonna find some time without all of the things you have around the training and the gym, you see. So I don't need to take my time just like okay, between two fights, I need more time. No, it's not about that. You need to manage my schedule, you see, without all of the things you have around the fight, you see, and like that we're gonna have time. And this is exactly what we manage now. We was in the rush, like it's yeah. When you have a lot of opportunity like me, because I was already shining on the light really quickly, it was really normal to open the door everywhere to build my brand, you see. But now everybody know who is here again. So now I'm gonna take maybe more time just for the training, just that's it, and the family. And I know you were disappointed from your last fight. Was it tough seeing kind of the fans being disappointed as well? Like you've achieved so much in your career, you've done it so fast. So was it hard to see fans get disappointed? Because at the same time, it's because the expectations are high when it comes to you, right? Of course, me at first, I was really disappointed. I'm a competitor, so of course, I was really disappointed. And the people on the social media, but not only in the real life, also was disappointed. Everybody, a lot of people was behind me for this fight against Jones, and everybody know is not exactly the result we expected, because everybody know I can put some more difficult for the against John Jones for John Jones, you see. So everybody was really disappointed that some people. Explain himself on the social media and stuff like that. But yeah, at first me, I was really disappointed, and that's why we went back to the gym really quickly. Have you changed anything in terms of training structure, bringing in new guys and stuff like that? What has this training camp looked like for you? Everything you need to change, we did it, and. We changed a lot of around, like I said just before. I think in to be more focused on me, just me, and not around me, you see. And this is exactly we did. And yes, and to preparing this fight during the camp for John Jones, this had a lot of. Experience for me, even if I lost my fight, it was a big experience for me as a fighter, but also as a human, as a person. And today, yeah, every experience really painful build you stronger, you see. So this is who I am now. And you're fighting Spivak. He's been booked for 5 rounds before, but he's never gone 25 minutes. You have. So, how much do you feel like that's going to play to your advantage? This is a big news for me, you see. I was really sure he did already 5 rounds. This is a, but no better. I just want to be the best version of myself. We did a lot during the camp. We had a guy, a big guy, Cyril Marais, a champion in the World Cup, but also in the Olympic Games in judo. And everybody know Spivak have a big background in the judo and he used very well during this fight. And so that's why we did a big focus on it.
Like every time we think we are maybe better on the striking game, so for sure you're going to go on this way to try to push me and to have a clinch and to go down. And one more for me. Tom Aspinall is supposed to be coming here. You responded to him on Twitter. He said he wants the winner of this fight. Do you see that as a kind of a logical next step for you if you can beat Spivak? The better way for me, not this way. The better way for me, the better schema for me is to do exactly what we did the last years. To put a big message on this Saturday, and the message is, I'm still here. I want to go back to the belt. This is my better way to go, the short way to go to the belt. Merci. So, with the John Jones fight, when you look back and reflect on that, do you feel that your performance was based on how good John is, or that the fact that you just had a very bad night at work? Both. John Jones is a really, really great fighter, and he did very well. And we knew already he would like to go on the grand game. And at this moment, I did a mistake, you see. So this is my fault also. But he did it very well. So this is his fault also. So, yeah, so both. In a way, is that loss unique, right? Because obviously, you lost to Francis, but to lose to someone like John Jones, big guy, it's unique. The reaction you get from everyone else is so much more negative and so much more, you know, they're passionate about their negative, right? Do you think that after that, it's almost you've experienced something that no one else in this sport will ever really understand, and it's very unique to you, and you can take that to learn from and use in the future? Of course. This has had me a lot of experience. Even if the fight did just 3 minutes, this had a lot of experience for my career. A lot. So, yeah, I'm going to use everything I can to be a better version for the future. So, for my next fight also, of course. Obviously, I'm sure it was a very painful loss, but how long did it take for this pain to become motivation to get back in the gym? Were you at work right away? Did it take a while? What was it like? It was really quick. It was really quick. We went back to the gym just 1 week after this fight because we want to fix this really quickly. It was not like a punition, but like, okay, now no question, no choice. I gave me no choice. Like, we don't give about all around the fight, the gym, and the family. Now it's just that. Obviously, now everyone's going to say, oh, well, to beat Cyril, you just wrestle him, and then that's how you win the fight. I'm sure Sergei Spivak probably feels this might be helpful to him too. Do you sort of anticipate that on fight night this weekend, you'll be able to prove that that's not just the way you beat Cyril Gane, that you have to really come and be very special to beat you? Yes, of course. The people... maybe think, yeah, it's really easy to win again, Cyril. You just need to wrestling a little bit. But trust me, we work a lot off at the gym, and you see, for me, the gym, when you do some sparring, this is look like a little fight, and that's why it's really important to do a lot of sparring, intelligent sparring, between two fights, and that's why I'm always confident before the fight. Because we do some sparring with some wrestler, everything you want. I manage this very well. So that's why before a fight, I'm really not stressed about that. Really not. Really not. This might sound a bit negative, but Francis, you lost to him and then he left. So you could never get that rematch. John sounds like he's going to fight Stipe and then retire. So you might never get that rematch. Is that something that you think about and think, man, it's going to suck for me personally that I'll never be able to prove, or you just have to say, c'est la vie, what it is? C'est la vie. C'est la vie. And I'm not this kind of guy like, I don't have any nightmare like, no, that's okay. Okay, he won. I don't have my revenge, but that's okay. That's okay. I'm going to have my revenge against another guy. I just want to prove to myself. I can be a better version of myself step by step. If you fight Tom Aspinall, do you fight him in London or Paris? This is a great question. Maybe you need two fights. Maybe, like I said, you're going to have one first in London or Paris and the revenge in London or Paris. And then the trilogy in Las Vegas. Huh? Yeah. I think it's going to be Las Vegas.
surreal over here. Yeah. It's your seventh straight main event since you fought Junior Dos Santos in 2020. Do you enjoy being in the spotlight and being the poster boy? Can you repeat, please? Sorry. It's your seventh straight main event since you fought against Junior Dos Santos. Do you enjoy being in the spotlight? Oui, mais je vas-y dis. C'est ton septième événement ouais. Au plus haut, au plus haut main event depuis que tu as combattu. Donc, est-ce que tu apprécies être le poster boy du sport, d'être la personne qu'on met à l'auteur du sport? This is really something, of course, and I'm proud of that at first. At the beginning, you are really happy. I'm this kind of person, and every people are different. At the beginning, you are really happy to have everything like that, all the camera and you can explain everything, all the camera, the light outside on you. But now, no. I'm done with this. I'm really done with this. I just want to win every fight and to go on the top how far I can do. And now my time, like I say, I just want to be focused on myself and no parasite, nothing but just the training, the gym, the family, and that's it. I'm like that. When you started your career, yes, you like that a little bit, you enjoy it a little bit, but no, I'm done with it now. And a former opponent in yours, Derek Lewis, he won recently with a flying knee. Took off his shorts and danced. I wonder, what did you think of that fight? It was beautiful. I'm so happy for him. I love this guy. I'm so happy for him, for real. And last one for me. Who do you think wins, John Jones or Stipe Miocic? I said yesterday for the storytelling, still undefeated, I'm going to say John Jones. And if it's possible to have my revenge after this fight, if I did very well. If I do really well, and I'm gonna say John Jones. Thank you. Pleasure. Cyril Pierre from Nonsense. I begin in English. I will translate for the French people. I talked with Thomas Pinal after his win in London, and he told me he wants to step in the cage if he wins. Is something that give you extra motivation to build a rivalry with this man, England-France rivalry too? It's something. I'm, you know, already the answer. I'm sure, but I'm not this kind of guy, and I don't need like we did the last years with Tai Chivaza. Yeah. Chivaza can be my friend for real, but we did a big war. Like, don't need to be a bad person or to do something like wrong or something. No, I don't need that. I don't need that to do a war. And I talked with Soeb Bouafia, a French boxer who will compete in the Olympian, and he told me that today you are a different guy. What's happened with the French people after the last fight? Changed something in you? And he told me he's not the bon gamin anymore. what you have to tell about that? Told us about that. This is my friend. This is my brother. Yeah. No, I'm still the bon gamin. I'm still the same person, but we fixed some stuff also in the gym, the way how we're going to train during the sparring and what we're looking for, and now we try to finish also the sparring sport now, you see, so this is a little different than before, but I'm still the same person. For be exact, he told me you were Spider-Man and today you're like more Venom, so it was his word, but we will see that on Saturday. And the last question, can we expect a game plan like the game plan Sean O'Malley used against Aljamain Sterling, or do you want to show something in your ground game? I don't want to prove anything. I just want to win my fight at first. And so if I can stay on my feet, it will be better, of course, like O'Malley did. He did very well. We had a lot of examples like that, but yeah, to impose my style, yeah, this is my job. Thank you very much, and pleasure. Good luck. Merci beaucoup. Merci, mon gars. Bonjour, Cyril. Bonjour. Pour Boxmag,
Je voulais savoir, bon, tu as répondu un peu plus ou moins à la question en anglais. Bon, on sait que ton dernier combat face à John Jones, ça n'a pas été une réussite en termes de professionnel, enfin, en termes professionnels. Mais on a vu que c'était quand même assez difficile pour toi aussi au niveau humain. Parce que tu n'attendais pas forcément à ce retour par rapport à tes fans et tout. Est-ce que, enfin, tu peux revenir un peu avec nous sur ce côté-là? Et est-ce que tu as décidé de venir avec des ambitions différentes, avec un style différent Ben, c'est toujours, tant qu'on ne le vivait pas, c'est marrant, ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec un ami qui était avant moi, qui est un groupe bon gamin aussi, qui a le tatou comme moi, bon gamin, qui lui est dans la musique, et qui lui est un artiste, et qui du coup très fragile, et beaucoup plus fragile, c'est le bon mot, et qui me disait, et pourtant on n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu, mais qui avait peur de ça justement. Et il a vécu un tout petit peu, mais c'est différent parce que c'est la musique, et il me disait, il n'a pas fait un burn-out, mais il a coupé un moment de temps avec son plaisir qui était de faire la musique, parce qu'il avait peur de ça. Donc c'est des choses qui sont fortes quand même, tu vois, qui ne sont pas négligeables. Et ce qu'il me disait, c'est que, parce qu'il sait que je suis quelqu'un de fort, il sait que toute ma vie, j'ai eu des épreuves dans ma vie, et il sait que je suis fort, à quel point je suis fort, et que j'ai jamais de problème, et que je me plains jamais, et que Cyril, c'est toujours le mec qui est toujours heureux, qui n'a jamais de problème. Moi, j'ai jamais eu de problème dans ma vie, si tu m'écoutes. Mais il m'a dit ça, tant que tu le vis pas, tu sais pas. Tant que tu le vis pas, tu sais pas, tu vois. Et ça, on en a reparlé il y a pas longtemps. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Tant que tu le vis pas, tu sais pas ce que c'est, tu vois. Tu sais pas à quel point c'est compliqué. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a été quelque chose, oui, de dur. Mais encore une fois, j'ai cette force-là de relativiser et de dire, bon, calme-toi, tu vois, il y a quelques années, tu étais où? Tu vendais du meuble, tu faisais ci, tu faisais ça, calme-toi. Rappelle-toi, on a ressorti une vidéo. Il avait pris une vidéo de moi où on rigolait, il y a quoi? Ben, c'était juste avant mes débuts, où sur mon compte en banque, il y avait des sommes dérisoires. Il y avait des 5 euros par-ci sur le compte commun avec madame, il y avait des 16 euros, des choses comme ça, tu vois. Donc aujourd'hui, ça me fait sourire, tu vois, et je me dis, bon, relativise quand même, calme-toi. Oui, tu as perdu, tu as un compétiteur, ça fait mal. En plus, des fois, de ça, derrière, on peut te le mettre en plein visage. Les gens utilisent un peu le buzz sur ça, sur les réseaux, l'effet des réseaux aussi, qui est un peu malsain, hein, faut le dire. Il y a des bons côtés sur les réseaux, mais aussi beaucoup de mauvais côtés. Mais voilà, au-delà de ça, ça ne m'a pas changé, ça m'a construit. Et comme je dis, chaque étape dure de la vie te construit et te rend plus fort. Mais je ne change pas, je reste la même personne, mon style ne change pas, et j'ai toujours le même but, c'est de kiffer ce que je fais, d'aimer ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais, j'aime le sport. Je crois que dans ma vie, je n'avais jamais réalisé, mais en fait, je voulais vivre du sport, et aujourd'hui, je le fais, il ne faut pas l'oublier, et aujourd'hui, je gagne bien ma vie, j'ai une famille, j'ai des beaux enfants, et tout va bien dans ma vie, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, je reste la même personne, et je reste avec les mêmes ambitions, c'est de gagner combat après combat. Alors du coup, tu as fait déjà des super combats, tu avais des gros défis, tu as combattu deux fois pour la ceinture. Mais aujourd'hui, tu reviens d'une défaite où finalement, il est quand même allé rester un goût amer. Le public, entre guillemets, t'attend au tournant. Est-ce que du coup, tu as un peu la pression? J'ai décidé d'arrêter avec ça. C'est un choix, je crois. Je crois que la pression, c'est un choix. J'ai décidé d'arrêter avec ça. Vraiment, ou bien parce que l'étape que j'ai subi m'a rendu plus fort, ce qui fait que je ne reçois plus cette pression-là, mais j'ai décidé d'arrêter avec ça. De plus parler d'attente de gens, de mettre la pression de ceci, de cela, Event Paris, devant, devant ton public, etc. Je veux retrouver, c'était un peu mes mots hein, que j'ai eu, je veux retrouver les sensations que j'avais quand j'ai commencé le MMA. Quand j'ai commencé cette discipline, nouvelle discipline, j'apprenais à fond tous les jours, je kiffais tous les jours, j'allais combattre, je voyageais avec mes amis. Je gagnais un peu d'argent, mais c'était juste magnifique. Je gagnais et je veux retrouver ça. Donc, je veux m'entraîner et aller gagner mes combats. That's it. Et dernière question pour moi. Bon, comme je disais, tu as fait déjà des super gros combats, super importants. Mais au final, celui-là est très important. Tu classerais où parmi niveau d'importance par rapport à tout ce que tu as déjà fait? Niveau d'importance par rapport à ce que j'ai fait, c'est une bonne question. Chaque combat est super important. Malheureusement, je suis très sur le présent, moi, et j'attache énormément d'importance au moment présent. Donc, au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est passé, et on ne peut pas changer ce qui est passé. Donc, aujourd'hui, je dirais que c'est mon combat le plus important. Merci, Cyril. Plaisir.
Ouais, bonjour Cyril. Bonjour. Une question, puisqu'on est à quasiment un an jour pour jour du dernier UFC Paris où tu affrontais Tai Tuivasa. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté en France où on se hype un peu moins sur cette carte. Est-ce que tu peux nous expliquer si Spivak, c'est un plus gros morceau que Tai Tuivasa ou pas? Spivak est plus dangereux et plus complet que Tai Tuivasa. Tai Tuivasa a une arme très forte et on la connaît, il la maîtrise très bien, tu vois. Mais je dirais que Spivak est un peu plus complet. Donc toi, tu parles de la hype autour de ce combat-là ou... Oui, pas, même globalement, mais parce qu'on sait que c'est le combat principal. J'ai l'impression que les gens avaient plus de facilité à ce hype sur Tai, qui a l'air, avec qui vous aviez une bonne relation, ça se passait bien, que Spivak, qui est très froid pour le coup. Je ne sais pas, pour le coup, je n'arrive pas à mesurer ça. Je ne le mesure pas parce que, comme je t'ai dit, les réseaux, tout ça, je ne suis plus à fond dessus. Ouais. Donc, je n'arrive pas à mesurer ça. Après, il y a toujours l'effet, les gens sont en vacances, en fait. Et donc, la chance qu'on avait, c'est que ben, le premier event de Paris, ça a fait du bruit, c'était le premier event. Bon, là, ce n'est plus le premier event. Peut-être qu'on est passé à autre chose. Et comme je t'ai dit, l'effet du mois d'août, peut-être aussi, gâche un peu la magie du truc. Mais pour toi, Spivak, un peu plus, ça peut être un peu plus corsé Oui, je pense que Spivak, encore une fois, ça dépend comment on arrive à amener le combat. Ça se trouve, ça peut donner un combat plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu arrives à imposer ton art, tout de suite, ça rend un combat facile et on dit que l'autre était nul. Non, c'est juste que tu as réussi à imposer ton art. Donc, j'espère d'ailleurs que ça donnera ce genre de combat-là. Ouais. J'ai pas mal de questions sur le chat Twitch. Il y a des personnes qui veulent absolument savoir ce que ce sera ta musique d'entrée. Non, bah, malheureusement, à vrai dire, j'ai pas... C'est comme je disais à l'instant, c'est pas quelque chose qui j'attache pas beaucoup d'importance à avoir des rituels, tu vois. Donc ma musique n'est pas un rituel. Donc si j'ai une musique ou une autre, pour moi ça fait pas de différence. Faut d'abord que je kiffe la musique, mais faut aussi que ça fasse kiffer les gens. Donc c'est un peu le thème, tu vois. Donc non, j'ai pas vraiment encore choisi ma musique. Et dernier mot pour moi, et ce ne sera pas une question, simplement dire qu'il n'y a pas d'attente dans le chat, mais il y a énormément de soutien et d'amour pour toi. Ça fait plaisir, je vous fais un gros cœur le chat. Bisous. Salut, salut Cyril, Fred pour Gong. Je voulais savoir si tu avais hâte d'être samedi soir pour fermer des bouches, sachant que tu as vécu peut-être le pire cauchemar en fait, du combattant, de ne pas pouvoir t'exprimer en fait, contre Jones. Ouais. Tu n'as pas montré du coup... C'est presque comme si les gens pouvaient croire que tu n'es pas un vrai combattant de MMA, c'est-à-dire que tu n'as pas de lutte, tu n'as pas de sol. Et là, Spivak, c'est un peu l'adversaire parfait pour t'exprimer justement et répondre à ces questions. Est-ce que justement tu as hâte de ça? Est-ce que tu es dans un état de frustration depuis ton combat contre Jones? Non, pas dans un état de frustration. Donc j'étais frustré après le combat, forcément. Et tu as toujours ce truc que tu dis, tu te punis, tu sais, tu te fais un peu du mal. Il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. Semaine prochaine, je suis à l'entraînement, je me punis moi-même, tu vois, mais en fait, c'est pour ton bien. Au-delà de ça, je n'ai pas envie de faire fermer des bouches. C'est, comme je dis souvent, je suis vraiment concentré sur moi-même. C'est à moi que je veux prouver des choses, même si je sais que déjà, je fais de belles choses à l'entraînement. Maintenant, il faut le faire le jour J, ça, c'est toujours différent. C'est un bon adversaire pour, comme tu dis, faire fermer des bouches ou bien pour essayer de prouver des choses, démontrer des choses ou faire démentir le côté lutte, etc., tu vois. Ça c'est vrai, mais au-delà de ça, j'ai pas ce sentiment de haine du tout. Faire fermer des bouches, que tu fasses bien, que tu fasses pas bien, de toute manière, en vrai de vrai, ça, les gens parlent s'ils ont envie de parler. Ouais, c'est pour toi en fait. C'est beaucoup pour moi. Je t'ai dit, le plus gros changement qu'il y a eu dans ma carrière, c'est ça. C'est comment je gère ma vie. Et aujourd'hui, c'est moi. J'en ai pas rien à foutre de ce qu'il y a autour, mais aujourd'hui, je suis très concentré sur moi, vraiment, vraiment. Merci, merci Cyril. Oui, Cyril, là, dans les deux prochaines années, si tout se passe comme tu veux ou pas, mais probablement, vu le top de la catégorie, ça va être que des lutteurs. Là, tu commences par Spivak, ensuite peut-être Aspinall, ensuite peut-être Almeida ou... Peut-être moi aussi, je vais peut-être devenir lutteur. Eh. Mais là, parce qu'on sait qu'il y a des combattants, bien sûr, ils s'entraînent pour tout, mais ça les saoule de se dire ils vont affronter des lutteurs et probablement les... Pour les prochains combats qui arrivent, là, le fait de te dire sur les deux prochaines années, probablement que tu vas affronter que des mecs où tu vas taffer que la lutte, manger que la lutte, le combat, ça va être de la lutte. Ça te fait quoi de te dire ça? Bah, ça fait du bien. Ça va me rendre meilleur. Ça va me rendre meilleur. On a été très vite mis dans le bain. Moi, je viens de 3 ans de boxe thaïlandaise. Donc, ça a été tout de suite dit mon point fort, tu vois. Bah, à vrai dire, avant la boxe thaïlandaise, j'étais au basket. Donc, j'ai mis 3 ans à apprendre la boxe thaïlandaise.
Et très vite, quand j'ai commencé les combats, bon, mais il fallait imposer mon art très vite parce que je n'avais pas le temps de rattraper les années de lutte que les gens avaient en plus de moi. Donc très vite, il a fallu gagner des combats, combat après combat, préparer celui-là. 4 mois après, tu prépares. Donc tu ne passes pas ton temps à dire « ouais, je vais être un lutteur ». Tu comprends ce que je veux dire ? Tu passes ton temps à te dire que bon, les mecs sont plus meilleurs lutteurs, mais j'ai quand même 3 ans de boxe thaï, donc on va mettre ça en avant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça a été toujours un peu le mindset. Mais aujourd'hui, je te cache pas que je suis quelqu'un qui apprend beaucoup et qui apprend de tous les sports. Et j'ai pratiqué tous les sports. Je viens de la boxe thaïlandaise, de 3 ans de boxe thaïlandaise, mais je peux très bien m'inventer une vie et dire hey, j'ai du sang daghestanais et je deviens lutteur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est des choses. Je sais que j'en suis capable. Je sais que j'en suis capable. Je suis un athlète, je suis quelqu'un d'assez intelligent. Et si jamais on s'amuse à accéder à dire, ouais, moi aussi, je vais être juste un lutteur, un pur lutteur, et à dire, j'oublie un peu mon pied-point, tu vois, parce que ça nécessite ça aussi un peu pour être très concentré sur ça, je pourrais très bien le faire aussi, tu vois. Mais voilà, pour répondre à ta question, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Vraiment, ça ne me dérange pas. Ça va me rendre meilleur. Bonjour Cyril, est-ce que tu t'attendais à autant incarner la popularisation du MMA en France ? Et comment tu gères ce rôle un peu de monsieur MMA en France, pour rappeler ça comme ça ? Non, au début tu t'attends pas à ça, au début tu fais ton truc. C'est vraiment le truc. Au début tu fais juste ton truc. Et là, j'ai commencé la boxe thaï, on m'a dit viens essayer la boxe thaï. J'ai commencé, on m'a dit vas-y viens faire des combats. Et moi gagner déjà 400 euros avec un combat le week-end, je me dis waouh. Tu vois, je veux dire, j'ai un loyer à payer et tout, ça va m'aider, tu vois, je vais en faire un tous les mois, et puis ça augmente, t'es à 800 euros, après t'es à 1002, 1005 et tout, putain, tu te dis, ouais, je vais faire des combats tous les mois, ça va être bien, tu vois, tu penses juste à ça, tu vois. Et puis t'es un petit, tu fais tes combats, et au bout de 3 ans, je croise la salle de Fernand, et à la base, je veux juste faire un peu de pied-point pour éviter de faire des heures de route à l'opposé de Paris, parce que j'habite de l'autre côté de mon club et tout, et il me dit, ben, à nouveau, viens faire du MMA. Je dis, ok, vas-y, tu vois, pourquoi pas. Il me dit qu'on peut gagner plus d'argent. Je dis, écoute, moi, c'est ça que je recherche, tu vois. Et de fil en aiguille, tu fais ton truc. Et puis d'un coup, on dit, mais c'est toi le porte-drapeau français, c'est toi. Ah ouais, ok, c'est toi, ouais, ok, ouais, ça va. Pour l'instant, je suis confortable avec ça, j'ai pas de problème. C'est vous qui le dites, c'est pas moi, de toute manière, tu vois. J'ai été fier d'être un peu le précurseur. Du mec qui a un peu tu vois tâté là-haut, tu vois, je suis un peu le précurseur, c'est vrai, mais il y a eu des combattants avant moi français déjà à l'UFC. Et une question en plus, juste une dernière question, concrètement, comment tu arrives en fait à, comment dire, t'imposer, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te trouvent peut-être trop nice par rapport à ton attitude, justement, qui va à l'encontre en fait des codes quelque part de l'UFC? Bah, malheureusement, je vais laisser ces gens déçus parce que je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Ça, c'est une certitude. Je ne changerai pas. Je suis moi-même depuis que j'ai commencé devant les caméras, dans la cage, en dehors de la cage, les gens qui me croisent dans la rue. Et c'est mon identité, et c'est mon éducation, et c'est ma vision de la vie. Tu vois ? Et ça ne changera pas. Même si des fois les événements font que bah, tu changes un peu, je ferai tout pour que ça ne change pas. Ça ne changera pas. Merci Cyril. Thank you everybody.